Prologis, leader mondial de l'immobilier logistique, s'étend. Ce matin a eu lieu la pose de la première pierre de son 7e bâtiment sur la zone industrielle ou portuaire du Havre. Le Havre est devenu un port très compétitif par rapport à ses voisins du Nord. C'est un port qui est devenu fiable, c'est un port qui aujourd'hui a une réputation. Et dès lors, nos clients sont intéressés pour se développer et nous accompagnons donc le développement de nos clients. Et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons nos investissements. Le client du jour, c'est Cédilec, qui se sentait à l'étroit dans son site actuel, juste en face. Le logisticien du groupe Leclerc livre d'ici toutes les centrales régionales du distributeur. Les atouts, c'est surtout le positionnement géographique, parce que nos principaux points de livraison sont dans la partie nord de la France. Et c'est devenu, au fil du temps, la fiabilité du port. Un port qui mise de plus en plus sur la logistique. La logistique sur un port, ça permet de fixer des trafics. Cédilec génère 20 000 conteneurs par an. Ça génère évidemment des prestations de manutention maritime, qui elle-même génère des prestations de service au navire. Ça génère des prestations de transport à l'intérieur du port. Ça génère des prestations dans l'entrepôt lui-même. Donc c'est toute une chaîne finalement que l'on structure et que l'on renforce en implantant des entrepôts comme celui-là. Après les contrats avec SDV et Panhard il y a quelques semaines, d'autres entrepôts pourraient sortir de terre. Le port a actuellement de nouveaux parcs logistiques à l'étude.